Eh bien, bouh les gens et bienvenue sur la chaîne Playfraps TV. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la Playfraps de Call of Juarez Burn in Blood. Précédemment, nous avions retourné à notre ferme et on avait vu que notre mère était décédée malheureusement dans la nuit avant notre arrivée. Et donc on a pu récupérer notre frère et on avait vu qu'il y avait quand même pas mal de tuniques bleues qui étaient en train d'attaquer notre ferme. Et là, on est retourné un petit peu à la vie civile, entre guillemets, hein. Et malheureusement, Thomas, donc le personnage que j'incarne, pardon, a fait une petite connerie dans le sens où il a un petit peu, comment je pourrais dire ça, sauté la fille du shérif, hein, et celui-ci l'a su, donc on a dû le tuer en duel, et toute la ville maintenant veut notre mort, donc c'est plutôt pas mal. Allez. Et maintenant on doit récupérer la diligence. Sans se faire tuer, ce serait déjà bien. Ce serait plutôt pas mal. On va pas se leurrer. Qui c'est qui me tire dessus là? Monsieur, on se calme, messieurs, on se calme. C'était juste une petite balle dans son corps, c'est pas grave. Quoi? Je parie qu'il vous a pas aimé du tout en fait. Il ne vous aimait pas en fait. Sachez-le, le shérif ne vous aimait pas donc. Arrêtez d'essayer de faire genre t'as vu, je fais régner la loi, bien, t'as vu. Mais en fait non, tu règnes que dalle, tu es nul. Je voulais pas te le dire, mais tu es nul. Surtout moi, si je tire à côté. Bref. Prenez votre temps, les gars, y a pas de problème. Donc ouais, le... Même par terre, ça fait mieux, en fait. Ça fait plus genre pluie qui tombe par rapport à avant que... Bah, y avait rien, en fait. Je crois qu'il y avait rien. Faudrait que je regarde, mais il me semble qu'il y avait rien. Ou très peu. En gros, ça faisait moche, quoi. Maintenant, c'est un peu mieux, je trouve. Couvre-moi. Allez, yéha ! Et William ? Il est monté, fonce ! Enfin, il dit fonce, mais c'est lui qui conduit. Bon, bah, pour faire ça... pour un seul mec... Fonce-leur dedans ! Non mais qu'est-ce que tu fous ? Arrête de bouger ! Merde ! Arrête ! Wow ! Des bimes dans ta tête ! Tu me tires dessus ! Bordel ! Couvre-moi ! Je vais pousser le chariot ! Vas-y ! T'as intérêt à te manier ! Fais péter, gamin ! Fais péter ! Mais cours aussi, cours. Cours, vol, saute. Bouge, fils de pute. Montre-toi là. Allez, laisse tomber, monte. On va passer par le centre-ville. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Pardon. Ah, c'est toi là, tu me tires dans le dos. Je crois que t'es tiré à côté. J'ai réussi à l'avoir. Tout va bien. Tout va bien. Ça me va. Encore. Cette balle ne t'était pas destinée, ami. Oh là là, ils doivent prendre cher les chevaux quand même. Oh punaise, j'avais oublié ça. Ah, tu te fais du mal. Ah mais ça bouge, mettez-vous à ma place. Faites demi-tour ou on est foutu. Mettez-vous à ma place, quoi. Complètement cinglé. Faites place.
Bonjour. Fils de Satan ! Mettez ça sur ma note ! Yeah ! Allez, yeah ! Oh là, les chevaux, comme ils doivent prendre cher, franchement. Ah, on est revenu au point de départ, d'accord. Ouais, ça va être chaud là maintenant. Ah, ça c'est ce que je veux voir, ça c'est bien ça. Bordel, frangin. Pour nous pourchasser, tu sais. Tant pis pour eux. Allez, on va se faire ça à deux. Wow ! William, prends les rênes. Je n'ai jamais contrôlé autant de chevaux. Les chevaux, c'est comme les femmes. Suffit de leur dire ce qu'ils ont à faire. Tu claques le fouet et tu galues. Grouille-toi, ils arrivent! À l'intérieur. Allez! Je suis sûr qu'ils nous attendent. Oh, il y a des chances, oui. Les voilà! Dégagez! Bon, là, ça va être hyper galère parce que ça bouge de partout. Et ben voilà. Tellement que ça bouge, j'arrive plus pas à viser. Donc ça va être hyper chiant. C'est le moment du jeu que j'aime pas trop en fait. Bah bon, c'est que le début du jeu donc. On peut tuer le cheval. Non, je vais mûrir. Voilà. C'était sûr, à chaque fois je meurs ici, de toute façon c'est obligé, donc en fait ben, je meurs. Hein, c'est rigolo, hein. Putain, je suis sûr qu'ils nous attendent. Pédé. Et voilà. Ok, pédé. Je crois que je vais prendre le revolver, non, sûr. Ce sera peut-être mieux, je crois. Lève, sale chien. Ou pas, ou peut-être, je sais pas, mais il est hyper long à recharger cette arme là, on va prendre ça. Aïe. Non mais t'as pas honte. Non mais allô quoi. Bah viens. Tiens. Ouais, je crois qu'on va prendre le revolver, ce sera mieux. Casse-toi, tu me saoules. Oh, de toute façon j'ai munitions limitées, il y a un paquet de munitions. Ah non mais s'il y en a dans mon dos ça va pas le faire. Ah non mais allô quoi. Ah non mais non mais oh. Oh, on va se calmer les gars. Viens, viens. Viens, viens, je te crois. Non, j'ai envie de mourir. Je vais remourir les gens. Non, c'est bon. Oh, c'était pas... C'est passé près quand même. Une petite sauvegarde. Qu'est-ce que... Dynamite, William accélère. Attention. Fils de pute. Ah mais je ne comprends rien de ce qui se passe, hein, moi non plus, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces enfoirés? Allez vous faire mettre, bande de merdeux! Qu'est-ce qui s'est passé? Ces abrutis se sont coupés la route. Celui qui vit par la dynamite, périra par la dynamite. Prenons les chevaux, et laissons ce fichu cercueil. Ils nous rattraperont plus maintenant. Bah tant mieux, ça me va, parce que c'est des tarés là. Bon, on leur a piqué une diligence, c'est pas grave. Dieu du ciel, qu'avez-vous fait? On n'a pas vraiment eu le choix. Vous venez d'abattre un officier fédéral. D'ici peu, vous allez avoir tout le pays à vos trousses. Et si on allait au Mexique? Soleil, tequila et señoritas, moi ça me va. En plus, j'ai entendu parler d'un trésor aztèque qui serait enterré dans les collines de Juarez. Et notre plan alors? Récupérer nos terres et reconstruire la ferme familiale. C'est pour ça qu'il nous faut ce trésor, petit frère. Sans or, ce plan n'est qu'un rêve. On ne s'arrêtera jamais nulle part, n'est-ce pas? Vous êtes comme deux chiens sauvages, l'un et l'autre.
faites, Frangin. Si jamais tu me voles une autre femme, je jure sur la Sainte Bible de t'envoyer 6 pieds sous terre. C'est clair ? Seigneur, comment libérer mes frères de l'emprise de Satan ? Quelle parole employer pour les convaincre de ton amour et de ton pardon ? Nous voilà en route pour le Mexique. Ray pense que nous y trouverons un trésor légendaire qui nous permettra de reconstruire la ferme familiale. Je dois continuer à prêcher la vérité en espérant que mes frères finissent par voir ta lumière. Car que je le veuille ou non, ils sont ma famille. Bon, voyons les stats ridicules. Ah non, ça va. Ah, franchement, ça va, c'est plutôt pas mal. Hein. Pistolet, ouais, fusil, ouais, on s'en fout. Ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va. Imhotep. Allez, on continue l'aventure. T'auras un pet de feu, dis ! Guerre ! T'auras un pet de feu, convoque le conseil de la tribu. Mais il n'a que faire de conseil. Moi, pas besoin des conseils de vieilles femmes qui ont oublié comment se battre. Vous dites que le trésor est maudit. Je dis qu'il appartient aux anciens, à nos ancêtres, et qu'il confère un grand pouvoir. Sinon, pourquoi notre peuple aurait-il reçu la clé ouvrant la porte secrète ? Torrent impétueux veut faire la guerre à l'homme blanc. Il veut échanger le médaillon sacré contre des fusils. Pattes de puma de mode, qui va nous vendre ses fusils ? Les visages pâles ? Autant leur demander de se tirer dessus avec. Pattes de puma a perdu ses crocs et miaule comme un chaton. Dans le sud, là où est caché le trésor, vivent des hommes qui haïssent les coyotes blancs autant que nous. Ils nous vendront les armes. Il faut aller au-delà des montagnes et du grand fleuve. Qui effectuera ce voyage ? Mon fils, œil clairvoyant. Sa mère lui a appris à parler la langue des visages pâles. Mon fils, le moment est venu de prouver que tu es l'un des nôtres. En provoquant une guerre qui n'apportera à notre peuple que la souffrance ? Œil clairvoyant mérite bien son nom. Ou peut-être mériterait-il d'être appelé lâche ! Personne, pas même le grand chef Apache Toron impétueux, ne me traitera de lâche. Alors prouve ta valeur ! Prouve que tu es un Apache ! Très bien, père. J'irai vers le sud et je trouverai quelqu'un pour nous vendre des fusils. Tu auras ta guerre. Toron impétueux ne respecte ni le Créateur, ni ceux qui l'ont connu quand il n'était qu'un papouse. Il veut mettre le médaillon en danger et apporter la colère d'Issoun sur son peuple. Ce n'est pas Toron impétueux qui fera un sacrifice, mais son fils et la tribu. Pattes de Puma a parlé. La guerre approche. Toron impétueux à parler. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va m'énerver celui-là. Il a pas l'air très très commode. Hein. Ouais. Acte 2, on aurait dit un ange. Dressons. Le Mexique, contrée oubliée du Seigneur. Ray avait entendu parler d'une légende sur un fantastique trésor aztèque caché au pied des collines environnant la ville frontière de Juarez. D'après la légende, le trésor était maudit et rendait fous tous ceux qui tentaient de le retrouver. Les habitants de la région étaient même allés jusqu'à donner un nom à cette folie. L'appel de Juarez. Mais Ray ne croyait pas aux malédictions.
Il était parvenu à convaincre Thomas que nous pourrions utiliser ce trésor pour reconstruire notre ferme et nos vies en Géorgie. Nous étions en train de discuter de nos projets d'avenir dans un bar près de San Lorenzo quand mes frères la virent pour la première fois. On aurait dit un ange. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Par contre, l'ombre là me fait grave flipper. Ça fait genre, tu sais, la grosse bestiole, genre de la witch dans l'effort d'être doux. Bref, c'est parti. On dirait que ce trésor attire tout un tas de crapules à la recherche d'argent facile. C'est de nous que tu parles là, petit frère ? Ce n'est qu'une légende. Il n'y a qu'une façon de devenir riche pour un croyant. C'est de travailler dur. Et de savoir faire les sacrifices nécessaires. Ou tu trouves un type plein aux as et tu lui colles un flingue sur la tempe. Tu es saoul. Non, mais j'y suis presque. Demain, on achètera du matériel et on commencera nos recherches. Il va y avoir du boulot. Pour l'instant, tout ce qu'il me faut, c'est une bouteille de tequila. Et une fille aux mœurs légères. La petite dame est pressée. Barboso. Monsieur Devlin voudrait vous parler. Et si moi je n'en ai pas envie ? Il veut vous voir aujourd'hui, señorita, dans son lit, avec rien d'autre qu'un joli sourire. Pendero. Mais il n'achète jamais une jument avant qu'elle ait été matée. Peut-être que je devrais faire un tour de manège à celle-ci, avant de lui amener. Petite putain! T'as un œil qui part de travers, mais c'est pas grave, je t'en veux pas. Allez, on va continuer à incarner Thomas. Deux types ont descendu boule dans le salon. Il mord, va chercher l'aide. J'ai comme l'impression que tu les as énervés. Pourquoi il dit deux types? J'ai rien fait, moi. C'est Ré qui a tout fait, moi je suis innocent, monsieur le juge. Oh là là, mais comment? C'est quoi tes sensibilités? Oui, je cherche tout le temps une excuse, mais c'est la vérité. Lui, il a failli se prendre une balle perdue. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est vraiment pas possible. Non, sinon... C'est pas possible! Coucou. C'est quoi de cette arme hyper longue? Wow, tu te calmes. Non mais c'est pas possible. Ouais, ça c'est mieux comme arme. Ah non, mais je voulais pas échanger contre ça, je voulais échanger contre ça. Voilà. Non. Hé, hey, trou du cul. Ça. C'est cette pute que tu veux. Aidez-moi. Viens la chercher. Vous croyez pouvoir la prendre non. aussi facilement? Doublage de fou. La brutalise. Il faut qu'on appelle le shérif. Qu'est-ce que t'en dis, frangin? On laisse cette ordure s'amuser avec la petite? Ça, il peut se gratter. On dirait bien que cette fille t'a tapé dans l'œil. Allez, on y va. Et maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire?
Qu'est-ce que ton dieu raconte à propos d'aider les faibles déjà, hein? Retourne au saloon et reste-y. Ok, c'est parti. Faut tirer dessus! On tire dessus! Wouhou, bordel! Pas besoin de tirer beaucoup de balles, garde une seule suffit. T'as fini de gaspiller des balles? Oh d'ailleurs en parlant de balles, moi je suis presque à sec. Alors les gars, vous voulez que je m'endorme ou quoi? Je commence à être fatigué de tenir cette garce. Et si je lui arrangeais un peu la face, histoire de voir si elle vous plaît toujours. Allez, venez! Je sais pas où ils l'ont trouvé, on y va, ouais, mais le doublage de Marisseuil est... Ils ont pas voulu vraiment... Limite ils avaient plus de blé, c'est pour le... Ils avaient plus d'argent pour le doublage de Marisseuil. Ah ouais, vas-y, on va prendre la première femme qui sait le faire. Allez, vas-y, dis. Oh, c'est bon, nickel, allez, vas-y. Tu feras Marisseuil. Et bim. Ce requin de mes deux commence à sérieusement me les briser. On va lui apprendre à pas faire chier les McCall. William, qu'est-ce que tu fous encore ici? Eh, petit frère, t'as pas compris ce que je t'ai dit ou quoi? Je viens avec vous. Tu veux y rester? C'est dangereux ici, petit frère. Va te mettre à l'abri. C'est pas que j'ai presque plus de munitions pour ma carabine, mais presque en fait, donc ça devient chaud. Ça devient plutôt chaud. Ramène-toi. Bah je suis là en fait, je t'attends. Hein. Oh. Je crois que je vais devoir passer au revolver parce que j'ai presque un couteau. Qu'est-ce que je vais foutre d'un couteau? Cet enfoiré était à moi. Ouais mais non, mais pour faire ça c'est pas la peine. Ils sont combien en cette ville? Oh. Si tu veux. Non, toi tu passes pas le muret. Il est encore là? Bill, nom de Dieu! Tu vas nous faire tuer à force de traîner dans nos pattes! C'est vous qui avez besoin d'être protégé. Et il a paru avec de la fumée, mini tornade. Ça déchire. Oh. Les tireurs embusqués, ils couvrent l'entrée. Fais diversion, moi je vais m'arranger pour les prendre de côté. Et oui. Couvre-moi. Ce qui est bien avec cette arme, c'est qu'elle se recharge rapidement, mais elle fait un peu moins de dégâts. Allez. Bonjour messieurs, chanté. T'as chié dans ton chapeau, toi. Non. C'est pas ce que tu crois, mais non. Je les ai hurés. Enfin, des munitions de fusil. Pas une minute à perdre. Vrai, c'est qu'une femme. Ouais, petite sauvegarde. Tu te calmes. Toi aussi. Wouhou. Bon, il est mort lui. Ouais. Fusil à barrier, deux cartouches. Non, ça m'intéresse pas. En fait, c'est le fusil à pompe quoi. Là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va devoir faire un truc en coop. Voilà.
paysans pour mieux régner. Quand tu veux. Maintenant. C'est plutôt facile. On est loupé, hein? Ouais, monsieur. Ça, c'est du yep. Non, en haut, je le sais. Non, il est plus là. Bon. Et bah, il est plus là. Qu'est-ce que t'attends? Mets-toi le cul. Et oh. On a plus beaucoup de temps. Où t'as besoin de temps, toi? Partez devant. Je vous retrouve à l'église. T'avais dit qu'il s'enfuirait pas. Je sais pas ce que deux têtes de nœuds comme vous foutent ici. Eh, vous êtes vraiment prêts à vous faire descendre pour une pute? Pas de chance, vous êtes tombé sur un poisson trop gros pour vous. Je suis recherché du Colorado au Texas, les gars. C'est moi qui ai descendu ce ranger à El Paso et le kit de Jericho à Abilene. On m'appelle Crotal, parce que je suis aussi rapide qu'eux. Le Crotal? Bon dieu de merde. Donc personne vous en voudra si vous tournez les talons. T'as buté le kid de Jericho? Vous avez entendu parler de moi? Non. Je vais vous descendre avant que vous ayez eu le temps de dégainer. Parle. C'est tout ce que tu vas réussir à faire. En fait, faut que votre cible soit assez... fort. Oh, les testiboules, j'ai pas eu le temps de parler. Faut que votre cible soit clean, quoi. Pas flou, en fait. Parce que si c'est en flou, ben, vous pourrez pas lui tirer dessus. Je sais comment y aller. Vite, il faut qu'on y arrive avant qu'ils s'en rendent compte. J'aurais jamais cru qu'une femme arriverait à se faire entrer dans une église. Non, raté. Non mais... T'es meilleur que ça. Bah ouais mais... C'est la souris. Ce fils de pute était à moi. Excuse-moi d'avoir sauvé ton cul. Mais on va se quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ainsi qu'à la partager. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des autres vidéos qui arriveront. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur la chaîne Twitch TV. Pourquoi je dis Twitch TV? Je sais pas. Sur la chaîne Twitch tout simplement. Je sais pas pourquoi je rajoute TV. Il n'y a pas de TV dans Twitch. M'en fous. Bref. Donc pour être au courant des lives qui arriveront, que ce soit moi, Archiroz, Arcos, bref, n'hésitez pas à nous suivre partout, et d'ici là-bas, moi je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, ciao, bye bye les gens.